Martine redouble. C'est fini! Je ramasse vos évaluations. Rangez vos affaires et à demain, les enfants. Psst, Julie, il fallait répondre triangle, isocèle ou équilatéral. N'importe quoi, c'était un triangle à rectangle. Ah bon? Je n'ai pas du tout répondu ça, moi. Allez, on se dépêche, les filles. J'ai une réunion importante. Au revoir, madame. Quant au lieu de résidence, c'est l'idéal. Très bien situé, facile d'accès. Ah oui, vraiment intéressant. Ah, mais vous êtes là, madame? Émilie, tu pourrais frapper quand même. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour du projet. Je vous raccompagne, Delphine. Oh, je crois qu'avec un tel projet, nous allons faire des heureux. Encore merci, monsieur le maire. Mince, ma sacoche. J'ai oublié ma sacoche. Oh. Vous l'aviez oublié, madame. Ah, merci, Émilie. Les gamines. J'ai une grande nouvelle. Je saute une classe pour passer directement au collège. Eh oui. Oh, d'ailleurs, il faut que je parle à ta cousine. Elle doit absolument tout m'expliquer de la vie en sixième. Il est temps que je côtoie des gens de mon niveau. Tu vas partir alors? On sera plus jamais ensemble? Ah non, hein. Tu vas pas pleurer. T'es pas un bébé. Tu pourrais être plus gentille. C'est normal qu'elle soit triste. Si j'étais toi, Martine, je me mêlerais de ce qui me regarde. Parce que toi, tu redoubles. Quoi? Comment tu peux le savoir d'abord? La maîtresse était à la mairie hier soir. Et je l'ai lue sur les évaluations. Oh. Elle raconte n'importe quoi, tu la connais. Bienvenue chez les nuls, la tartine. C'est bizarre que tu redoubles quand même. T'as jamais une note en dessous de la moyenne. Il faut demander à la maîtresse. Elle nous dira rien. C'est trop important. C'est le genre de nouvelle qu'elle annonce d'abord aux parents. C'est normal. J'ai complètement loupé mes évaluations. Moi, je peux pas y croire. Et puis, il paraît qu'Émilie, elle saute une classe. Martine redouble. Bah, il y en a d'autres qui vont redoubler. Émilie saute une classe. Écoutez-moi, les enfants. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. Grâce à l'aide de la mairie, nous allons pouvoir partir en classe de mer sur les côtes atlantiques. Oh. Et Jérémy, il va sauter une classe. Eh bien, moi qui pensais que ça vous ferait plaisir. Bon, pour préparer notre voyage, je vais vous demander de faire un exposé sur les marées. Attention, ce travail sera noté. Martine, tu diras à tes parents que je dois les voir de toute urgence. Oui. C'est pour parler de son redoublement. Qu'est-ce qu'il y a, Martine? Ça ne va pas? Tu peux te détendre, les évaluations sont passées. Allez, mange, ma chérie. J'ai pas très faim. Ah! La maîtresse, elle voudrait vous voir pour... très vite. Ah bon? À quel sujet? Elle doit vous dire que je... Elle doit nous dire quoi? C'était Émilie. Elle voulait le numéro de Virginie. Elle vient de me dire qu'elle sautait une classe. Et toi, Martine, tu sais pour ton passage? Bibliothèque pour faire des recherches sur les marées, tu viens? Non, merci. Allez-y sans moi. Tu viens pas? Mais si, il faut le faire. C'est noté. De toute façon, je redouble. Alors... Oh, mais arrête, c'est même pas sûr. Allez, viens avec nous.
Non mais allez-y, moi j'ai envie d'être seule. Bon bah tant pis, mais nous faut qu'on y aille avant que ça ferme. Ben alors la tartine, tu travailles pas sur ton exposé? Toi non plus visiblement. Oui, mais moi c'est normal, je fais jamais mes devoirs. Tu boudes? Bah, c'est à cause de mon redoublement. Oh, c'est pour ça? Mais c'est rien, ça. Regarde-moi, avant de redoubler, c'était un peu la cata. Et maintenant, ça va mieux. Enfin, un peu mieux. Oui, mais moi, j'avais l'impression de bien travailler. Oh, allez. C'est pas non plus la fin du monde. Tu vois, je le savais, t'es une battante. Allez. Va faire ton exposé, tu mérites une bonne note. Ok, je veux bien faire un effort. Mais toi aussi alors. Ça marche. Hey. Comme toi, anglais et latin. Et c'est qui ton prof préféré? Et c'est qui le plus beau? Hé, hey, attendez-moi! Vous dites quoi? Ça te regarde pas, arrête de nous coller. Ah, je te jure, les enfants. Hé, hey, on pourra prendre le bus ensemble? Hein, on pourra? Je sais pas, on verra. On va s'éclater toutes les deux au collège. J'entends rien de ce que vous dites. Tu vois pas que j'ai une nouvelle amie? Non? Arrête de nous suivre comme un petit chien. Pourquoi tu lui parles si méchamment? Je lui parle comme je veux. Et je parle pas au redoublant. C'est ta mère qui a donné mon numéro à Émilie? Oh, elle est vraiment pénible. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est? C'est un travail de recherche sur les marées. Oui, ben moi je me suis pas fatiguée. De toute façon, elle sert à rien cette recherche, puisque je passe direct en sixième. On va finir par le savoir. Et en conclusion, on retiendra que c'est la force gravitationnelle générée par la Lune qui influence grandement les marées. Merci beaucoup à tous les deux. Votre exposé était parfait. Tu vois, Eric, avec un peu de travail, tu peux faire de grandes choses. N'empêche, ça reste des gros nuls. Tu as quelque chose à dire, Émilie? À ta place, je me ferai oublier vu l'exposé déplorable que tu nous as fait. Ah, eh bien, je vous rendrai vos évaluations après la récréation. Oh, ça y est, ils vont savoir. Oh, j'aimerais bien entendre ce que la maîtresse dit à tes parents. Attendez, j'ai une idée. Je te dois bien ça. Monsieur Eric, ça vous amuse de me prendre comme cible? C'est bon, la voie est libre. Attends! À vous, venez! Non. J'entends rien. Et vous? C'est à cause de Julie. Elle prend toute la place. C'est toi, oui. Pousse-toi. Bah, qu'est-ce qui vous prend? Depuis quand vous écoutez aux portes, mesdemoiselles? Pardon. C'est pas leur faute. C'est à cause de moi, madame. Ça y est, vous êtes au courant? Au courant de quoi? Ben, que je redouble. Je le sais par Émilie, mais j'osais pas vous le dire. Tu vas redoubler? Qu'est-ce que tu racontes? C'est Émilie qui t'a dit ça. Émilie! Émilie! Viens ici tout de suite! Bien, avant toute chose, je tenais à préciser que les rumeurs qui courent actuellement dans l'école sont fausses. Ça alors? Quand même, ça m'étonnait aussi.
Je suis assez déçue que vous puissiez croire n'importe quoi. Personne ne redouble. Et bien sûr, personne ne saute de classe. Tout le monde passe au niveau supérieur. Mais alors, pourquoi vous avez vu les parents de Martine, madame? J'avais besoin de conseils pour acheter un nouvel appareil photo, histoire d'immortaliser tout ce que nous allons faire en classe de mère. Comme son papa est photographe. Ah bon, c'était ça? Martine doit continuer à redoubler d'efforts. C'est ce qu'a dit lire Émilie, et elle a cru que je redoublais. Émilie doit apprendre à sauter des lignes. Elle a dû lire trop vite et elle a cru qu'elle sautait une classe. Heureusement que t'es là. Au moins, toi et moi, on est pareil. Tu sais quoi? Je n'espère qu'une chose, être déjà au lycée quand tu passeras au collège. J'ai été punie par la maîtresse. J'ai des milliers de lignes à faire. T'as intérêt à m'aider? Non merci. Je préfère jouer à la corde à sauter.